Bonjour tout le monde, on se retrouve enfin en vidéo, une nouvelle vidéo pour des cartes que j'ai reçues. J'ai pas pu faire la vidéo avant, vous comprendrez pourquoi, hein, pour avec le déménagement, tout ça, en ce moment c'est surbooké. Là d'ailleurs je rentre tout juste de la maison, je suis en nage, vous voyez pas, je suis tout rouge. Après c'est la douche, j'ai voulu faire la vidéo tout de suite, comme ça pendant que la vidéo va se monter je vais prendre ma douche, et d'ailleurs je vous ai fait une petite vidéo, je crois même que je suis noire sur le visage, je vous ai fait une petite vidéo là-bas à la maison pour vous montrer où j'en suis. Donc je vous ferai le montage après celle-ci et vous ne ferez pas attention parce que dans la vidéo je vous disais que je vous ferai une vidéo pour les cartes jeudi, mais en fin de compte j'ai trouvé 5 minutes aujourd'hui pour vous faire cette vidéo, donc je la fais tout de suite, voilà, parce que après comme samedi c'est le gros déménagement, après ça va être la... La cohue. Alors voilà, donc j'ai reçu 1, 2, 3, 4, 5, 6, pas beaucoup, mais c'est déjà ça, hein, c'est bien. Alors, je vais regarder, si j'ai encore un couteau là, parce que comme on enlève tout, le meuble là est en train de se démonter, vous voyez, il n'y a plus de porte. Alors, la première carte, elle vient de Sylvie. Ah, elle était déjà décollée. Alors, Sylvie, il y a un petit mot. Donc, c'est sur YouTube, c'est Sylvie F. Alors, bonjour, voici ma réalisation pour le concours. Je n'ai pas de style particulier, je scrape depuis peu. Une passion partagée avec ma fille. C'est très bien. Donc, elle m'a mis petit renseignement derrière. C'est super. Donc, vos cartes, quand j'aurai fini d'installer mon atelier, vont aller dans un classeur. Je vous montrerai. Mais pour l'instant, elles sont dans un panier. Et le panier est ici encore. Comme ça, je ne les perds pas. Donc, je vous montre sa carte. Voilà, avec un joli papillon. Fifi me fait des bijoux au passage. Il y a de l'embossage doré, pailleté, du tamponnage. Il y a de l'embossage ici en haut. Voilà. Vraiment très joli. Avec un joli papillon. Et oui, ma fifi. Toi aussi, tu aimes bien. Alors, Sylvie, merci beaucoup. Ta carte est très, très jolie. Alors, la suivante. Ah, c'est le même nom de famille. Donc, c'est peut-être la fille de Sylvie. Oh, je suis dans une chaleur. Ah, vivement la douche. Je n'en peux plus. Là, deux jours en suivant, j'ai dû me lever à 5h30 du matin parce qu'il y avait des ouvertures de compteurs, des ouvriers qui venaient là-bas. Donc, il fallait que je sois là-bas à partir de 8h. Oh, que c'est mignon! Avec une jolie carte. Je vous montre d'abord la petite carte qui l'accompagne. Un joli papillon, une jolie fleur. Alors, coucou Didier, j'espère que les cartes te plairont. J'aime beaucoup les animaux ainsi que des cartes un peu shabby. Voici donc deux styles de cartes différentes. Je ne fais pas beaucoup de cartes. J'ai commencé le scrap il y a moins d'un an. Je fais plus des albums photos. Bon courage pour ton déménagement, bisous. Aurélie. Bah, écoute, merci beaucoup, ta carte est très jolie. Donc je pense que la carte d'avant c'était ta maman.
Donc le style se rapproche un peu et j'aime beaucoup. Et donc la carte pour le concours est toute mignonne. Il y a des petits lapins, des petits bambis, des petits hiboux. Voilà. Les petits tamponnages, les petits lapins là en bas. Vraiment très très joli. Les petits embossages, j'aime beaucoup pour tes arbres là. C'est vraiment très beau. Donc pareil, tu vas bien tout marquer derrière. C'est très bien. Merci beaucoup. Alors, la suivante. La suivante, c'est Dorine. Dorine qui attend toujours que je, si c'est bien la même, qui attend toujours que je lui envoie mon enveloppe. Je t'oublie pas, Dorine, mais en ce moment, c'est vraiment la... De toute façon, je ne peux rien envoyer à personne, je n'arrive pas. Mais je ne t'oublie pas. D'ailleurs, vous verrez dans la prochaine vidéo, je vous montre où en est l'atelier. C'est la cata pour l'instant. Ah bah c'est bien, tu m'as mis ta nouvelle adresse, donc c'est bien. Merci. Ah, du vintage. Très joli. Et ta vintage s'habille. J'aime beaucoup. Super. Voilà, regardez. J'aime beaucoup aussi. J'aime bien le galon avec les petits pompons là. Je crois qu'il vient d'Action, mais je ne l'ai pas encore vu moi. Bon, enfin, de toute façon, Action, je ne vois rien en ce moment. Voilà. Avec la petite plume rose, là. La petite image vintage. Très jolie. Alors, merci beaucoup, Dorine. Et je garde précieusement sa nouvelle adresse. Et dès que j'ai 5 minutes, ton enveloppe part. Je sais que tu m'as envoyé des emails. Je n'ai même pas le temps de répondre aux emails. Excuse-moi de ne pas avoir répondu. Voilà. Ici, une jolie enveloppe bleue de Annick. Avec un beau washi bleu brillant. Oh, il y a du cadeau là. Alors, c'est vraiment très joli. Alors, elle m'a marqué. Alors, sur YouTube, c'est Abescrap. J'aime ce qui est coloré, je n'ai pas de style préféré, je fonctionne essentiellement en coup de cœur. J'aime mettre en valeur une citation, un dicton. J'essaie de faire de la récupération pour détourner les petits objets. Ah ben, écoute, tu as bien raison. Alors, je vous montre. Voilà. Vraiment très joli, donc tout bleu. Et donc là, la phrase, mes rêves plein la tête, les étoiles plein les yeux, la vie est belle. C'est super.
J'aime beaucoup. Merci, merci. C'est très joli. Et tous les petits cadeaux que tu m'as mis, oh, tout dans les tons bleus. Voilà, un petit pochon avec des petits boutons bleus. Voilà. Même le petit pochon est joli. Et des petites épingles. Alors là, il y a des perles, des petites étoiles. Tout. Alors, elle a marqué rêve bleu. C'est comme un petit shaker. Voilà. Là, une des découpes. J'aime bien ce qu'elle a écrit. Elle a écrit un éléphant, ça trompe. Alors, un éléphant, ça trompe énormément. Alors, deux. deux petits éléphants bleus. Super. Là, c'est des petites fleurs à fabriquer. Donc, bleues aussi. En plus, ça a dû passer du temps à faire toutes tes petites pochettes. C'est vraiment sympa. Et là, d'autres animaux. Voilà. Donc, il y a des chevaux. Il doit y avoir des chats. Super, j'aime beaucoup. Et là, voilà, je vais ouvrir. Vous voyez, il y a une autre petite pochette. C'est une jolie pince avec un petit lapin. Elle est tout mignon. Donc, on va ouvrir pour voir ce que c'est. Donc voilà, j'étais en train d'ouvrir le paquet. Fifi a mis ses pattes sur l'ordi. Elle m'a coupé la vidéo. La revoilà. Si tu me recoupes la vidéo, je te coupe les oreilles. Donc, je vous montrerai la petite pince avec le petit lapin. Donc, voilà. Je vous montrerai les petits embellissements. Donc, voilà. Qu'elle m'a mis. Dans le petit sachet. Et elle m'a mis autre chose. Ici, elle m'a mis des découpes. Voilà, des découpes, des plumes, des tamponnages de Gorgus. Voilà, un petit nœud bleu. Bah écoute, merci, merci beaucoup. Tu m'as gâté. Pourri gâté. Merci beaucoup. Bon, on va remettre tout ça dedans. Voilà. Alors, la suivante, donc l'avant-dernière, c'est Martine, MC Scrap. Il y a l'air d'y avoir plusieurs choses aussi. Ouh là là, il y a beaucoup de choses. D'abord, une carte. Ben, je vous la montre. Vintage. Alors, coucou Didith. J'espère que tu vas bien et que je ne te dérange pas trop dans ton déménagement. Tu vas être bien dans ton nouveau petit nid d'amour avec ton mari. Donc voilà ma carte pour ton concours. J'espère que cela te plaira. Je t'embrasse ainsi que ton petit monde à quatre pattes et à deux pattes. Martine MC Scrap. Merci beaucoup. Non, non, tu ne déranges pas. Ça fait plaisir d'avoir des nouvelles des copines. Alors, les petits cadeaux, je vais les montrer après. Et donc, la petite carte. Alors, tu m'as tout marqué.
Elle est marquée curriculum scrap. Lol. Ah oui, tu m'as tout marqué, c'est bien. Donc voilà sa carte. Très jolie aussi. Avec un effet 3D. Il y a du tamponnage. Il y a de la peinture 3D. Il y a de la dentelle papier. Vraiment très joli, petit papillon. Très joli. Merci beaucoup. Alors, je vais montrer les petits cadeaux que tu m'as mis en plus. Alors, elle m'a mis. Alors, je ne vais pas les déballer, hein, mais vous allez les voir à travers. Voilà. Un deux, trois. Une petite suspension qu'elle m'a fait sur du lin. C'est pas du lin, mais je ne sais plus comment on appelle ça. Yeah. Avec un petit personnage vintage, de la dentelle, un petit papillon en strass, de la dentelle. Là, il y a une fleur en dentelle qu'elle a dû faire elle-même, un embellissement en bois, vraiment très très joli. Et qui va rejoindre les cadeaux des copines que vous verrez dans l'autre vidéo. Vous verrez que j'ai commencé à faire un emplacement des cadeaux des copines dans mon futur atelier. Là, elle m'a mis des petits rubans. Ça sert toujours. Et là, un grand paperclip avec des dentelles très jolies. J'aime beaucoup. Merci beaucoup. Tout me plaît. Ben oui, Fifi, j'ai besoin de l'enveloppe, hein, excuse-moi. Voilà. Et la dernière que j'ai reçue aujourd'hui, qui vient de Nathalie. Oh, très joli. Dans les tons écru et lin. Voilà, je vous montre. Voilà, avec du lin, de la dentelle, une fleur faite en lin, une fleur papier, des petites demi-perles. Là, un tamponnage. Ici, très très joli. J'aime beaucoup aussi. Et tu m'as tout bien marqué. En plus, elle m'a noté coucou Edith, félicitations pour les 2000 abonnés. Voici un morceau de moi, papier, tissu, dentelle. Bonne continuation, Scrabbies, Nathalie. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Donc sur YouTube, c'est Scrapinou. Alors écoute, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. De toute façon, j'adore toutes vos cartes. Hein. J'aime beaucoup de voir tous vos styles et toutes vos créations. Donc voilà tout ce que j'ai reçu là pour le moment. Donc s'il y en a d'autres qui en ont encore envoyé à mon adresse ici, vous inquiétez pas. Je vais encore les récupérer. Hein, puis j'ai fait
un suivi courrier. Et pour celles qui voudraient encore participer au concours, elles peuvent encore, hein, puisque je vais rallonger jusqu'au 15 juillet. Dans ce cas-là, vous m'envoyez un email et je vous donnerai la nouvelle adresse. Comme ça, vous l'enverrez directement à la maison, puisqu'on sera là-bas à partir de samedi définitivement. Voilà. Oui. Oh là là là. Mais je vous remercie toutes, hein, pour vos cartes, vos petits cadeaux, vos goodies. Ça me fait énormément plaisir. Et là maintenant, je vais filer sous la douche parce que je suis en train de fondre par la chaleur. Et puis en plus, de toute façon, je suis pleine de poussière. Ouais, je suis toute noire. Et demain, c'est relâche. Enfin, relâche, façon de parler. Mon mari et moi, on finit de démonter les meubles. On met aux encombrants les meubles qui n'ont plus lieu d'être. Et on met en carton ce qui doit finir en carton. Voilà. Et moi, jeudi, je fais encore des voyages avec ma petite voiture, avec des cartons. Vendredi, peut-être. Et samedi, c'est le camion. Voilà. Et après, ben, ce sera le gros emménagement à la maison. Mais là, bon, ça, ce sera moins stressant. Voilà. Je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais à tous des gros bisous. Fifi aussi. Je fais des gros bisous. Oui, bon. Ça va, Fifi s'est calmée. Elle donne plus de coups de patte à mon pépère. Maintenant, on va voir comment elle va se comporter à la maison. Ça va être un nouvel endroit pour elle, donc on va voir comment ça va être. Hein? Non, bon, elle ne veut pas. Allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et ce soir, il y aura ce soir ou demain, suivant la lenteur de mon ordinateur, il y aura le vlog sur la suite de la maison. Voilà, gros bisous, je vous aime toutes, à bientôt.